Salut à tous, on se retrouve pour la suite de Ludola no Hero. Et donc, c'est bien que je... Ouais, voilà. J'étais pas sur le bon écran. Donc on va continuer le scénario de Risa, vu que bah, c'est celle qui est la moins avancée en fait. Et je viens de remarquer que le niveau de Salent est super bas par rapport aux autres. Remédier à ça. Alors j'ai fait un peu d'XP entre cette vidéo et la précédente là pour Risa parce que bah, en fait on est dans un endroit super pratique pour ça. Là on est au nord-est de la ville là, juste à côté de l'arbre qu'on avait planté. Et en fait ici c'est pas mal, donc ça sert à rien de visiter l'endroit, il n'y a pas grand chose à part des purifiés, vous savez, pour enlever l'altération d'état pollution. Mais par contre, il y a des ennemis qui donnent pas mal d'XP. Ah, je vous montre. Je crois que c'est ça que j'avais utilisé. Non, pas terre. Je sais plus. Enfin bref, ils donnent beaucoup d'XP. Alors je crois que les chauves-souris, c'est pas celles qui donnent le plus, mais... C'est le bon truc, je crois. Et juste à côté, il y a un lit en fait qui permet de se soigner gratuitement, donc c'est parfait. En fait, vous pouvez tourner en rond et faire des combats autour du lit et vous soigner quand vous voulez. Bah tiens, encore un niveau de plus. Voilà, donc c'est super pratique. On va s'arrêter là parce que de toute façon, je vais presque pas utiliser de trucs. Ouais, c'est bon, je sais pas ce qu'à faire. On va sortir. Voilà, donc bah, c'est surtout pour l'XP. Hein. Et sinon, ouais, si vous manquez de purifier, il y en a dans des coffres en bas là. C'est tout ce qu'il y a. Hein. Et aussi les ennemis en cèdent des fois. Je dois en avoir. Ouais, j'en ai 7 là. C'est 9 hein, le nombre max d'objets qu'on peut avoir. Ok, du coup, on va aller. On va aller à l'arbre. Surtout ne rentrez pas dans la ville, sinon vous allez perdre un perso. Vous verrez ça juste après. Alors le perso que je raconte, l'arbre, voilà, il est là. Vous vous rappelez, avant tout ça c'était pollué, on avait planté la graine et ça avait purifié la terre. Voilà. Ça s'appelle toujours lac pollué, mais... C'est plus un lac pollué. Ah, et maintenant, on a des fruits. De l'arbre. Voilà. Donc, du coup, on va prendre tous les fruits. Alors, je sais pas si c'est juste des objets clés, je me rappelle plus. Ah non, on peut aussi les utiliser. Ouais, bon, ça restaure que 5 HP, donc ça sert un peu à rien à part dans l'histoire du coup. Voilà. Maintenant, on va aller aux ruines. On n'avait pas fait. Eh ben. D'ailleurs, c'est super résistant. Je trouve qu'ils sont un peu drôles ces ennemis. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un jeu de mots pourris avec leur nom. Wouah, attends, c'est MP là qu'il a pris là. Ah oui, Purimora. Ah, ça peut servir ça. Une baison, putain, j'avais oublié que ça s'appelait comme ça. Quel coquin. Ok. Ah oui, quand même. Ah, ils sont longs à tuer, mais... Ouais, on obtient encore un purifié. Alors, si je me trompe pas, le... Ah, faut appuyer deux fois.
En fait, le purifier, c'est pas mal. Parce que ça enlève pollution. Et pollution, ça empêche, je crois, que les persos se soignent. Attendez, on va créer leur sort là. C'était pas mal. Bon, j'ai eu de la chance, il m'a bouffé les points de vie, les points de magie du perso qui utilise le moins de magie. Donc, Purimora, 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 Purimora. C'est au plus. Ah ouais. Oh, c'est assez bien ça. Je pense que ça peut servir sur les boss en manque de MP. Ça se sent quand même que c'est pas une vraie traduction. Sans vouloir critiquer le travail de ceux qui se sont fait chier à traduire le jeu, mais. Y a des trucs pas traduits, par exemple là l'attaque des oiseaux, bird attack. Puis même quoi, c'est pas de top qualité quoi. Ok. Donc ça c'est un endroit totalement optionnel, hein. Ça sert pas tant que ça d'y aller, mais. On va le faire quand même. Il y a des bons trucs dedans. Voilà, vie plus, et magie plus. Donc c'est vraiment très intéressant. Pour rappel, ça augmente la vie ou la magie max. Et ça remet tout à fond d'ailleurs. Du coup, vaut mieux pas l'utiliser tout de suite, mais vaut mieux l'utiliser quand vous avez presque plus de vie ou de magie, vous l'utilisez, comme ça vous soigne en même temps. Enfin, je crois que ça c'est utilisable que hors combat par contre. Faut que je vérifie. Vous allez voir, c'est vite fait ici. Je me rappelle plus par où c'est. Alors oui, je fais tous les combats en bruinant. Je me dis que ça ira plus vite que de fuir et que ça marche pas. Donc ça c'est juste une essence, ok. Ça je trouve ça un peu con qu'ils aient fait ça. Ils devraient carrément mettre les trucs en entier parce que... c'est pas comme s'il y avait... 50 caractères différents, on avait pas les tapis. On va pas les tester un par un quoi. Ah tiens, ça fait léviter ça. Ouais, et puis ça fait de l'XP et de l'argent de tuer tous les ennemis donc. Si ça prend pas trop longtemps, je préfère le faire. Ah! Un coffre rouge. Alors, coffre rouge, je sais plus avec quel jade ça s'ouvre. Je me demande si c'est pas celui de Sion en fait. Oui, ça veut rien dire les attaques la plupart du temps. Ouais, c'est le nom de l'ennemi Vebal R. Mais Vebal. Ouais, je sais pas si c'est de mauvaise traduction ou. Ah. Ouais, c'est pas pour lui, pour elle. C'est pour Sion, ouais. Quand même fuir là parce que ça prend trop de temps. Voilà. On va se regarder là. Donc c'est en pleine vidéo, donc je dois la recommencer. Un autre magie plus, une horn. Ok, donc du coup on va redescendre. On va faire
tous les combats. Mince. Je vais dans le bon sens là. J'arrive à me perdre dans 10 mètres carrés. Ah si, c'est ça. Je me rappelle plus si on avait, si on était descendu ou monté à la base. Voilà. Ok, maintenant on va aller à la ville cette fois. Ah, trop de combats aléatoires. Aïe 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 aïe. Wow. J'ai dit de me soigner là. Ouais, on va se soigner. Voilà, donc il y a une petite scène d'écran dans la ville, c'est pour ça qu'il fallait pas y aller tout de suite, sinon bon, vous allez voir. C'est suite à la chute des continents, hein, je vous rappelle. J'aime pas pourquoi il rit. Ah mais il y a quand même un petit problème d'introduction, je trouve. Ça, il parle, c'est pas naturel comment il parle en fait. Il y a des phrases un peu bizarres. Voilà. Et du coup, bah, on perd notre ami sirène. On va se reposer à l'auberge.
Voilà, et là on va entamer la suite du jour. Du jour 8. Ça va être un peu plus costaud. Ça c'est quoi? C'est un magasin d'objets? Non, on s'en fout du magasin d'objets. On va aller voir plutôt le magasin d'armes. Ok. Ah ouais. Ça peut servir. Hein. Ça non. Tiens. On peut pas le mettre. Bizarre. Alors c'est un peu bizarre parce que anti-foudre. J'en prendrai quand même pour voir. Ah c'est vrai qu'on peut les équiper, j'ai oublié. Depuis la boutique. Ouais. Ah ouais mais c'est super fort en fait. C'est mieux que le que le Saint-Habit. Ah oui. Ah ouais mais c'est complètement craqué. Il peut pas mettre les boucliers lui non. Ouais, parce que ça c'est épine. C'est ça le problème avec cette épine. Ouais, on pourrait lui mettre. Je sais pas, j'hésite un peu à lui mettre. En tout cas, on va racheter des armures. Parce qu'elles sont vraiment trop fortes. En fait, ils disent que c'est égal sur Risa, mais c'est parce que ça regarde que la défense, pas la défense magique. Ça, ça peut être sympa aussi quand on va la récupérer, mais. Parce que 125 c'est quand même pas mal du tout. Je vais quand même acheter l'épée, ouais. Mais par contre, ça m'étonne qu'elle puisse pas équiper l'arc. Bon. Ouais, c'est quand même un énorme boost. Et lui. Il passerait à 53. Il aurait même plus de défense. Franchement, je vais lui mettre. Parce que contre les boss, il est bidon en fait. C'est de quel type? Vent? Ouais. Ok. Ouais, comme ça, ça devrait le faire. On part. Voilà, et là on va aller à Gomorre. On va pas perdre de temps. Malgré la défense, il se prend plus cher. Peut-être pas assez XP finalement. Gomorre, c'est cette petite ville là qui tombait du ciel du coup. Enfin, qu'on peut atteindre grâce au continent. Tomber du ciel. Ok. Alors. Merde. On va attaquer pour voir ce que ça donne. J'ai fait fuite? Ouais, j'ai fait fuite. Ah, il me met rien du tout, quoi. Ouais, ils sont ridiculement faibles par rapport à dehors. Ce qui est pas très logique, mais... On va peut-être fuir, du coup. J'aurais peut-être pas dû acheter de trucs parce qu'on risque d'avoir des équipements ici. Et des chiens. Des chiens ça. Hein? Quoi? Quoi? On comprend les chiens? Je me rappelais pas qu'on avait ce pouvoir mais pourquoi pas. Alors là, une espèce de robot à vapeur poisson. Non, pas des robots poissons à la vapeur. Ouais, il fait pas si mal que ça, au final. Ça, on s'en sort pas trop mal. Ah, ça level up encore. Hein. Ça
C'est-à-dire que l'équipe de Salent elle est vraiment en dessous quoi. On va fuir parce qu'ils sont assez faibles même si on se loupe. C'est pas grave. Tonnerre. Non c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est tonnerre? Ah ouais. Pourquoi il peut pas l'équiper? Enlever. C'est un peu plus fort que ça là. Mais c'est moins fort que l'épée qu'on a. On va quand même le mettre parce que c'est type foudre. Donc je suppose que c'est puissant contre, contre les ennemis d'ici. Attendez un peu. Ok. Bon, on fuit quasi à tous les coups. Je pense qu'on a un niveau trop par rapport à l'endroit. Ouais. Ah, on peut redescendre encore. Ok, c'est ici. Faut un peu penser au futur dans Chrono Trigger. L'ambiance de la ville. C'est le vieux truc futuriste pollué, tout rouillé. Ok, donc logiquement là. Espérons que le prochain boss soit pas de type foudre. Seul en attaque. C'est la tactique du lâche. Plusieurs ennemis ont fui. Un seul en attaque. C'était pas la bonne idée. Alors ça fait quoi ça? Ok, ça fait juste des dégâts. J'avais peur que ça fasse une altération d'état. Donc c'est de la musique, je me dis. Hein. C'est un peu comme les bardes. Dis donc, il meurt jamais ou pas? Oh! Mais non. Oh mon dieu! Quoi? Je tente. Putain. J'y crois pas. C'est même pas un boss. Ah, je sais pas quoi dire là. Putain, c'est ridicule. Ok. Bon, on va faire une petite transition et puis on se retrouve.
Ouais, bah attendez, je vais même couper la vidéo, je pense. Parce qu'il y a quand même pas mal de temps avant la fin du jour. Ouais. On va couper la vidéo là. D'ailleurs, attendez, parce que j'ai plus les objets là, du coup. Putain. Ok, bon, on va arrêter la vidéo là et puis on se retrouve à la prochaine. Au même endroit que tout à l'heure. Juste avant ma mort. Bah, à la prochaine vidéo.